Bonjour, je suis Bastien du Conseil des Jeunes. Bienvenue au JTJ. Bienvenue dans ce numéro 6 du JTJ. Pour commencer, voici un rapide retour en images sur toutes les activités du service jeunesse que vous avez manquées. Oh, désolé. C'est l'association Kiddy Geek qui a guidé les premiers pas de ces 8-11 ans du service jeunesse pour 5 séances de robotique qui ont permis à ces jeunes de réfléchir, concevoir et même perfectionner leur robot. Pas d'image de leur prototype top secret, mais en revanche, nous avons leur réaction. Bonjour, je suis Juliana de l'association Kiddy Geek et nous travaillons avec un partenariat avec la mairie de Drancy et nous faisons des activités robotiques pour les enfants. Bonjour, je m'appelle Abderrahman. Aujourd'hui, j'ai construit un robot pièce par pièce. On a créé un robot. Le robot, c'était un robot qui avait des yeux, qui pouvait détecter les couleurs. On devait essayer de l'envoyer sur Mars, mais comme l'ordinateur la Wi-Fi n'est pas assez puissante pour l'envoyer, donc ça veut dire qu'on ne peut pas l'envoyer sur Mars. Bonjour, je m'appelle Kauta. Aujourd'hui, on a fait un robot. Ça n'a pas marché. Bonjour, je m'appelle Lucas. J'ai construit un robot pièce par pièce avec Abderrahman. Il a avancé très bien. Dans notre dernière édition, vous avez assisté au lancement de l'Esprit Cup, le championnat de football des 12-14 ans de la ville. Jetons maintenant un coup d'œil sur le classement de ce championnat palpitant. Voilà donc les résultats de ces matchs de poule. La Team GIA est première devant Drancy Futsal, les Galactiques sont bons derniers. Dans la poule B, Saint-Etienne et Agir Ensemble sont en tête et le FCB est 5e. Rendez-vous le 6 mai pour les phases finales. Vous ne le savez peut-être pas, mais les jeunes du club ado ont eu la chance de recevoir Waïd du Jamel Comedy Club pour 19 séances de stand-up avec ces jeunes danseurs. Regardons tout de suite son interview express. Bonjour, Waïd Bouzidi, pensionnaire du Jamel Comedy Club première saison en 2006. La famille, les dîners en famille, ça finissait toujours en blague, donc c'est de là que ça vient. 10 secondes. J'ai commencé par The Film avec Guy Jacques à l'époque à la réalisation, qui m'a conseillé de faire du théâtre. Ensuite, j'ai intégré une troupe qui s'appelle les Guess Guess, où j'ai commencé à faire du théâtre, du mélodrame. Et en 2006, j'intègre la troupe du Jamel Comedy Club avec Jamel Debbouze, Thomas Ndigel, Fabrice Eboué, Claudia Tagbo. Ensuite, plusieurs films et plusieurs spectacles à mon actif. J'habite à Drancy, les gens de sa femme, mais je suis resté à Drancy en fait. J'ai pas envie de partir, je me sens bien à Drancy. Donc j'habite à Drancy et je suis fier d'habiter à Drancy. Alors un petit mot pour les jeunes de Drancy, n'hésitez surtout pas à venir au cours de stand-up tous les mercredis à 15h30 jusqu'à 17h. Voilà, atelier d'écriture et atelier stand-up, on va faire des exercices
des mises en situation, des mises en scène, tout ça. Voilà, donc on vous invite tous à venir avec le Club Ado et la ville de Drancy, avec l'Arby de Drancy. N'hésitez surtout pas à venir nous rejoindre. Et le spectacle, c'est le 27 mai à partir de 20h30. Voilà, ciao. Vous retrouverez très prochainement notre interview complète de Wahid. Et voilà, c'est terminé pour cet épisode 6 du JTJ. On se retrouve bientôt pour d'autres surprises. N'oubliez pas de mettre des petits pouces bleus et de partager cette vidéo dans le monde entier. Et surtout, prenez soin de vous. Thank you.